Vous pouvez mener la nouvelle course disponible à la place du CPU. Battez votre record. Ok. D'accord. Mais de tout pour le boss final à la fin. Étant donné que la manette elle est un peu, elle est plus lourde que celle de la PS4, ça finit par fatiguer. C'est pas, hein, on dirait pas, mais ouais, ça finit par un peu fatiguer. Hein. En fait, si je veux vous décrire un peu crash. Ah. Si je veux vous décrire un peu mon ressenti sur ces vibrations. En fait, c'est plus genre là, on a des vibrations un peu sèches en fait, comme si on marchait sur du bois en fait. Et là, il y a des vibrations un peu plus rugueuses, je sais pas comment dire ça. C'est très bizarre comme. C'est bizarre. C'est très bizarre en fait. En fait, pareil, est-ce que les devs. Alors, hors exclu Sony hein, évidemment. Mais est-ce que les devs vont se faire chier à faire un truc adapté spécifiquement pour la manette PS5? Sachant que tous les deux le font pas. Ouais. J'ai des doutes. Lapin crétin, ça. Non, c'est des lapins. Lapin astro. Mais en fait, je vois le potentiel vraiment de ces gâchettes, de ces vibrations et tout. J'attends juste de voir ce que bah voilà, ce que les devs vont en faire. Mais il y a du potentiel. Après évidemment c'est le jeu qui s'est démontré absolument toutes les... Si. D'accord, je tombe pas tombé. Ok. C'est le jeu qui s'est vraiment démontré toutes les capacités de la DualSense. La DualSense qui est le nouveau nom de la manette. C'est plus la DualShock. C'est la DualSense. Des gâchettes. Marrant ça. Ah. Ouais, mais, bah, y a plein de références à PlayStation. Ce qui est normal, hein. C'est fait pour ça, c'est bien.
Merde. J'ai eu pourtant. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Merde. J'ai eu chaud. Quoi ça là? Oh. Je vais le taper. Je vais essayer de faire comme lui. Lui, c'est clairement une référence à Uncharted 2. On va essayer de spotter un peu les différences. Ah bah oui, c'est clairement Uncharted. Oh, mais largement Uncharted là. Ça, c'est du Uncharted largement. Oula, 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 oula. Bah non. Ah mais je sais à quoi ça fait référence. C'est bah toujours Uncharted. Mais je sais à quelle scène ça fait référence. Ça fait référence en fait à n'importe quelle scène dans un film d'aventure où t'as la pierre là qui tombe d'un coup. Et qui roule. Oh, PS Vita. Oh, d'accord. Ils ont même mis la PS Vita. Ouais, je pense qu'ils ont mis toutes les consoles. J'ai cru qu'ils avaient juste mis les consoles principales. Mais non, ils ont vraiment... You've never wondered why I catch your eye. It's cause you overlook. All the chips they put. No, I don't do. Ouais, j'ai pas... Ok, bon. Tac, tac. Okay. Jungle du GPU. Jungle du GPU. Ah, il y a un nouveau. Ok, là c'est différent. Là c'est genre. Ça bloque. Il faut vraiment que j'appuie fort. Là c'était comme avant là. Mais il faut que je fasse quoi, j'ai pas compris. Bah. Ah! Toujours du machine gaming. C'est clairement du Uncharted ça. Aïe. Évidemment.
Merde. Ah merde, je peux aller par là. Ah mais non, mais je peux pas aller par là-bas. J'ai rien dit. Putain, j'ai pas de place là sous mon bureau. Je me recule. Si je me recule, je suis plus dans le champ. C'est ça que je vais faire. Yes. Mais PS4, la fameuse. Parfait. Ruine du rang. Non, je vais pas aller là-bas. Sérieux, mais vas-y, mais... Il le fait plus loin, mon je tape, quoi. Ah merde, c'est un checkpoint. Ah mais j'ai déjà attrapé. Le jeu, ça c'est simple, hein, pas déconner, mais... Mais c'est un vrai jeu, c'est pas la merde. Je pense qu'il aurait pas été gratos. Je pense pas que je l'aurais acheté. Okay. Ouais, net effect. C'est sur PSVR. Ah ouais, carrément. Oh, ils sont... Ils sont vraiment allés chercher. Ils sont vraiment allés chercher moi.
Nous, ils vont sortir le câble HDMI. Non, je peux pas. Le câble d'alimentation. Je sais pas si ça a quelque chose de tout ça, mais ça amuse. Un artefact, la pièce guitare, la fameuse. Ah, c'est lui qui chante là-bas, là, au fond. Ah, par contre, s'il y en a qui voulaient des vibrations, là, par contre, il y en a. Ah, il y en a une pelletée de vibrations. Hein. Ah, là, par contre, tu as des vibrations, t'en as. Hein. L'arc, évidemment, l'arc. Ah, bah oui. Ah, bah oui, bah oui. Bah oui. Ah, bien sûr. Pour l'arc, c'est. Évidemment, en fait. C'est tellement logique. Après bon, je suis pas fan des arcs. Déjà de base. Mais putain. Genre ça passe. Ah, je veux dire plutôt, je suis pas fan de cet arc. Bah non. Je me suis dit ouais, peut-être que je peux pas activer le checkpoint d'ici. Non, forcément, forcément. Allez. Vas-y.
Après, de base, je suis pas forcément fan des jeux de plateforme. À l'exception par exemple de Crash Bandicoot, où là, ouais. Enfin, après, Crash Bandicoot, c'est plus de la nostalgie que vraiment de. Non ! J'étais presque. C'était plus de la nostalgie que vraiment de. Que j'aime vraiment. Ça me plaît beaucoup moins. Quand j'ai joué à Crash Bandicoot 4, bon. Vu que c'était pas forcément ce que je préférais. Je préfère les gros jeux. Type God of War, type Horizon. Et les gros jeux action aventure. Bon, on verra ce que se donne cette ce Ratchet & Clank. Mais pas tout de suite. Non ! J'ai failli me faire avoir encore. Merde, j'suis pas visé. Mais sérieux? J'suis un peu visé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il le boule. Ça va, besoin de faire un truc tout le temps. Merde. Allez, on est là. Non. Merde, j'ai le mauvais moment. Parfait, ouais. Terminé. Je reconnais ça. Celle-là, je reconnais de ouf. Bah oui, évidemment, j'ai encore entendu tout à l'heure. Ce son. Ce sont caractéristiques de la PS4, évidemment. La fameuse. Bon, moi j'ai pas celle-là, moi j'ai la pro, mais c'est pareil. For the players.
Allez. Donc là c'est ce que je viens d'aller, c'est là où je viens d'aller. Chrono réseau. Ah, c'est quoi ça? Ah non mais je m'en fous de ça. Là j'essaie pas d'avoir le 100%, hein. Enfin j'essaie pas d'avoir le platine, hein. Non. Là je veux juste le faire, voilà, histoire de tester un peu la manette et tout. Tester un peu la PS5. Mais mais je veux pas forcément avoir le platine. Peut-être on le fera un jour, mais là pas, ça sert à rien de le faire tout. Ouais, les gens qui disaient ouais tu ressens que c'est du sable. Mouille. Mouais. Mouais. Alors c'est non. C'est pas. Non. C'est pas bien différent de. En vrai, je pense que les vibrations ont été largement surestimées, on va dire. C'est pas si ouf. C'est bien, c'est excellent. Même. C'est beaucoup mieux que sur la PS4, c'est pas contraire. Mais je pense que c'est largement surestimé. Tu ressens pas non plus le sable, quoi. Oh, un petit peu quand même. Non. En vrai, c'est ouais. Faut que j'arrête de me contredire, moi. Non. En vrai, si, je trouve quand même c'est assez gadget, hein. Honnêtement, je pense que ça va pas être très utilisé. En toute honnêteté, je pense pas que ça va être très utilisé. Ni les vibrations, ni les gâchettes adaptatives. Je parle pour les jeux tiers, hein, pas forcément les jeux. Pour les jeux. Exclus, j'espère que ça va être utilisé. Nous sommes Ratchet, il l'utilise. Non, les voix sont très bien, c'est. Mais de là à dire que tu ressens le sable sur tes mains. Bon. Peut-être un petit peu trop surestimé quand même. Merde. What the fuck? La caméra PlayStation Eye.